Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, le Hamshen, toponyme d'Artsakh, nous sommes nos montagnes. La requête de Meher Markanian concernant le comportement agressif de l'Azerbaïdjan a été publiée par l'ONU en tant que document officiel. Les travaux de printemps ont commencé, mais les Azerbaïdjanais ne laissaient pas les habitants travailler sur les terres. Risque de traiter d'enfants dans la zone sinistrée d'Arménie occidentale. Un soldat a été tué par des tirs ennemis sur en position de combat dans le district de Yeras, ministère de la Défense, événement dédié à la mémoire de Hovhannes Tumanyan en Géorgie. La population Hamshen a maintenu son existence en tant que puissance arménienne semi-indépendante pendant 700 ans et a été renversée en 1489 par la capture des Turcs. Le dernier prince de Hamshen est David, qui est vaincu par les Turcs, quitte la région de Hamshen et se réfugie dans la région de Sper. Selon les archives ottomanes, l'écrasante majorité de la population de la région Hamshen jusqu'aux années 1620 était chrétienne. À cette époque, les chrétiens payaient des impôts assez lourds à Constantinople. Seule la région de Hamshen en 1609 à 1610 était taxée de 7090 kg de miel et de 2660 kg de cire d'abeille. En 1626 à 1627, les impôts augmentent de 104 pour chaîne. L'une des raisons les plus probables de la conversion de Hamshen à l'islam était les lourdes taxes imposées aux chrétiens. Ce processus d'islamisation est également lié à l'affaiblissement du presbytère de l'église arménienne. Un manuscrit écrit à Hamshen en 1630 rapporte l'absence d'un évêque dans le monastère de Khachikar de Yernovit. Puis jusqu'en 1812, aucun manuscrit copié à Hamshen n'est connu, ce qui est aussi la preuve de l'affaiblissement de l'église. Cependant, malgré sa faible condition, Khachikar survit jusqu'en 1915. Dans les listes de patriarcat arménien de Constantinople en 1913, elle est enregistrée comme église grâce à laquelle les Arméniens ont vécu dans le village voisin de Yernovit, Yelevit, jusqu'au grand génocide. Et aujourd'hui, dans ce village situé à 35 km du centre de Chamlihemshi, vers de montagnes, vous ne rencontrerez pas un Arménien ni ne trouverez des ruines de Khachikar. Le monument Nous sommes nos montagnes est l'un des symboles les plus célèbres de l'Artsakh. Il est connu de beaucoup sous le nom de grand-père, grand-mère. Le monument de Tufakert est situé à l'entrée de la ville de Stepanakert sur une autre colline. Installé en 1967, le sculpteur est Sarkis Bardasarian, l'architecte est Yuri Hakopian. La sculpture est faite de tuf rouge. Il symbolise le lien de sang entre les racines de la terre d'Artsakh et le peuple, ainsi que la volonté inébranlable du peuple d'Artsakh de préserver les valeurs et la vie familiale. Le monument représente un couple âgé de Karabakh en costume traditionnel qui accueille des milliers de visiteurs à l'entrée de la ville avec une attitude fière et inflexible et un regard sérieux. Le monument n'a pas de piédestal. Cela donne l'impression que la colline a été brisée et qu'ils sont sortis de cette fissure et se sont tenus les pieds fermement ancrés dans leur terre natale. La sculpture a été nommée Nous sommes nos montagnes par Bagrat Ouloubabian, écrivaine arménienne, historien, docteur en sciences historiques, poète, romancier et dramaturge. Selon Mamikonian Farsian, l'un des célèbres architectes d'Artsakh, le monument a été érigé dans des conditions très difficiles. La direction de Bakou soviétique s'est opposée à la construction du mémorial. De plus, une plainte a été déposée concernant l'installation de cette sculpture près de la ville de Stepanakert. Cependant, malgré tout cela, grâce à la volonté inébranlable du peuple d'Artsakh, il a finalement été installé et est devenu la carte de visite de la ville. L'idée de l'avoir comme monument à l'entrée de Stepanakert est née dans ces années avec la participation directe du président du comité exécutif du conseil régional de Haut-Karabakh, Moucher Ohanjanian. Le monument est le premier monument au monde construit en l'honneur de la longue durée de vie. Autrement dit, ce monument est aussi appelé le monument de vivant. L'agression continue de l'Azerbaïdjan, ses ambitions territoriales contre l'Arménie et le peuple arménien et la politique d'incitation à la violence déstabilise la situation dans la région. Meher Markanian, représentant permanent de l'Arménie auprès de l'ONU, a envoyé une requête en contenu similaire à l'ONU. Selon Armen Press, la lettre a été publiée le 21 mars en tant que document officiel du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Assemblée générale. Le comportement hostile et la rhétorique expansionniste agressive de l'Azerbaïdjan démontrent une fois de plus son intention de continuer sur la voie de l'agression et d'utiliser les ambitions territoriales comme prétexte pour de nouvelles opérations militaires, indique la lettre. Meher Markanian souligne également que l'impunité pour les crimes passés a préparé un terrain fertile pour encourager la haine arménienne en Azerbaïdjan au niveau de l'État. Le représentant permanent de l'Arménie auprès de l'ONU évoque également la destruction du patrimoine historique, culturel et religieux arménien sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, y compris en Nakhitchevan dans les territoires occupés de l'Artsakh. La destruction barbare des églises arméniennes de plus de 5000 Khachkar de
de vieux jours, est mentionné. Au moment où des plaintes sont en cours à la CODH contre l'Azerbaïdjan, le gouvernement d'Arménie occidentale estime nécessaire de rappeler que la politique de vandalisme appliquée par les autorités brutales de Bakou dans les territoires occupés ont été abordées par le président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, et le directeur de la Fondation de recherche sur l'architecture arménienne, Samvel Karapetyan, de 2006. Les Azerbaïdjanais ont ouvert des tirs irréguliers à distance sur des personnes effectuant des travaux agricoles, ce qui n'est pas la première fois. Vladikov Anisian, le maire de la ville de Chartar, dans la région de Martouni, en a parlé à News.am. Plus tôt, la police du ministère de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan a signalé que le matin du 22 mars, 7 habitants de Chartar ont été visés par des coupes de feu tirées par les forces armées azerbaïdjanaises alors qu'ils effectuaient des travaux agricoles dans les vignobles situés dans la région appelée Klazinzor, dans la zone administrative de la ville de Chartar. Ils tirent régulièrement sur les travailleurs à distance. Ils ne nous laissent pas travailler. Les travaux de printemps ont commencé. Les habitants travaillent dans les jardins et les Azerbaïdjanais ne laissent pas faire leur travail. Ce n'est pas la première fois que des Azerbaïdjanais ouvrent le feu sur des citoyens travaillant sur notre territoire administratif, a déclaré le maire de Chartar. La condition des enfants qui ont survécu au tremblement de terre en Arménie occidentale est différente. Certains enfants ont perdu leurs parents et certains ont dû migrer vers d'autres régions dans le cadre du Children's Rights Protection Movement. Certaines organisations non gouvernementales apportent un soutien psychologique et social aux enfants de la région. Cependant, cela ne suffit pas car les organes compétents des autorités turques ne coopèrent pas avec les organisations non gouvernementales basées sur la protection des droits de l'homme. Le gouvernement fait ce travail principalement avec des organisations religieuses et conservatrice. C'est un gros problème en termes de droits de l'enfant. En outre, il existe également des gros vulnérables qui ont des difficultés à accéder aux droits et à la liberté, auxquels malheureusement l'administration de l'État ne montre pas une approche appropriée. Les enfants qui ont perdu leurs parents et qui ne peuvent toujours pas les retrouver devraient être sous la protection de l'État. Dans ce processus, l'État devrait se concentrer sur le regroupement familial, ce qu'il devrait faire de manière cohérente sur la base de la protection des droits de l'enfant. Cependant, les enfants qui ont perdu leurs parents et leurs proches ont commencé à être placés sous la protection du gouvernement turc. Dans ce processus, certaines situations étrangères ont émergé, comme le placement d'enfants dans des institutions religieuses. Le ministère de la Famille et des Services sociaux en a également conscient. Le placement d'enfants dans des institutions religieuses et le transfert de la responsabilité de la prise en charge par l'État et ses institutions constitue un grave problème. C'est une violation des droits de l'enfant. Comme le sait, les risques de trait des enfants augmentent dans de telles situations de crise partout dans le monde. Le gouvernement turc aurait dû considérer ce risque et prendre des précautions contre lui. Nous ne sommes pas sûrs que cela soit fait correctement. Par exemple, nous ne savons toujours pas s'il y a des enfants victimes de la traite parmi ceux identifiés comme enfants disparus. Mais les autorités compétentes ont le devoir de le savoir. Selon le ministère de la Défense de la République d'Arménie, le soldat Arshak Sarkissian est décédé sur une position de combat dans la région de Yeras à la suite d'une attaque armée de l'ennemi. Le 22 mars, vers 16h20, sur une position de combat dans la région de Yeras, Arshak Sarkissian, soldat de l'unité militaire du ministère de la Défense, est décédé à la suite d'un tir ennemi, a indiqué le ministère de la Défense dans un message. Dédié au 100e anniversaire de la mémoire de Hovhannes Tumanyan, avec le soutien du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Arménie, le 23 mars à Tbilissi, au musée de la littérature géorgienne nommé d'après Leonidze, l'exposition intitulée Tumanyan en Tbilissi sera ouverte, qui sera ouverte jusqu'au 13 avril. Le spectacle présente les perceptions de Tumanyan sur la vie de Tbilissi, des relations humaines aux explosions littéraires. Le 24 mars, un concert commémoratif aura lieu dans la salle du Conservatoire d'État de Saragishvili. Le groupe de chant Gerard se produira avec en fond des interventions de Tumanyan et de la musique de Komitas. Les organisateurs de l'événement sont l'ambassade d'Arménie en Géorgie, l'église apostolique arménienne de diocèse arménien, le musée Tumanyan, le centre scientifique et culturel Tumanyan's House, le centre culturel Hayratun, le musée Institut Komitas. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.